Le Soir Tarchaud. Le Soir Tarchaud. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 21h, sur TSO Radio. Cette équipe de bras cassés, au grand complet. Axel, Seb, se surpasse. Enfin, ils essaient. Un show quotidien, divertissant, amusant, mais aussi sérieux. Avec des interviews, de l'actu, et bien sûr, une pluie de conneries. Et en direct. Le Soir Tarchaud. Tous les soirs, de 7h à 9h. Sur TSO Radio. Mais pourquoi de 7h à 9h? Bah c'est pareil. Bah oui, 7h à 19h, c'est exactement pareil. Bah oui, pareil. C'est 19h, merde. Les aventures d'Axel et Seb sur TSO Radio dans le Soir Tarchaud. 3, 2, 1. Le Soir Tarchaud sur TSO Radio. Radio. Oh putain, là on l'entend bien la musique. Comment ça va tout le monde? Ça va? Putain, on s'attendait à un... Bonsoir! Non mais je pense qu'en fait, tu merde, vois, depuis qu'on a, on est tous passés pour faire le début de l'émission... Vous êtes tous meilleurs. Ouais, on est tous meilleurs en fait. Parce que tout à l'heure, hier, mon bonjour, il était bien aussi, non? Ouais, le deuxième. Un peu long, mais... Un peu long, on me le dit souvent, ça, on me le dit souvent. Pas en ce moment, là. Pas en ce moment. Bienvenue, vous êtes sur TSO Radio, on est le 22 juin, lendemain de fête de la musique, bah nul parce qu'il y avait rien. Ça fait boire. Donc c'est génial. On a au moins écouté du Amel Bent. Ouais. Hier, si vous étiez en train... Bah au moins on a eu des auditeurs du coup hier, parce que sinon ils auraient tous été en train de faire la teuf. C'est ça. Voilà, voilà. Ça va, Sébastien? Ça va très bien, et toi? Mais c'est super, ça va, ça va. Il va se moucher, ça va aller. Ah, tu vas te moucher, ça y est? Non, non. Ah, quand il est fatigué, je rappelle que il a... C'est préjugé. Ok, d'accord. Kevin, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va super. Comment ça va, Vince? Ça va super. Laura? Ça va. C'est bien, c'est qu'on fait dans l'original. Ça va super, ça va super. Ah oui, super. Ah oui, ça va. C'est le qu'on dise. Stéphane, comment? Impeccable. Impeccable. Alors, c'est soit il prend l'accent africain ou l'anglais. 3. Et aujourd'hui, nous avons une invitée. Et moi, tu t'en fous. Oh, pardon. Bah justement, c'est toi l'invité. Hélène, bonjour. Hélène, bonjour Hélène. Bah, j'ai pas envie de te répondre. Bah, je comprends. Il y a Nivek aussi, non? Je comprends. Nivek aussi. Non, Nivek, j'y ai pensé. Ouais, ah, non, j'ai pas répondu. Ah, bah, t'en as. Tout ça parce que j'ai pas voulu Ken hier sur ton dossier, voilà, là. Voilà. Tu m'aurais payé ton. Bon, bref. J'ai demandé à notre invité de se rapprocher du micro. Parce que je vois une distance entre le micro et qui pourrait. Distance d'un mètre. Nous sommes avec Peggy. Bonjour Peggy. Bonjour monsieur. Oh. Axel, 55 ans. Pardon. Ça. Axel, 55 ans, 5 enfants, 3 femmes. J'en ai 5. Femmes? Non. Eh ben félicitations, parce que moi j'en ai qu'une et j'en chie. Il faut se rapprocher un chouïa plus, je ne vous entends pas bien madame. Mmh. Avec le micro. Comment? Faut régler le micro. Faut régler le micro, ouais, au fond. Ouais. Ok, d'accord. Je vais le régler le micro, il n'y a pas de soucis. Nous allons passer à l'horoscope. Qui c'est qui le fait aujourd'hui? Ah, c'est moi. C'est toi? Bah, je sais pas si j'ai envie du coup. Non, me fais pas ça, s'il te plaît. C'est quand tu veux. Ah, ça y est, on les entend. Alors, avant, c'est quoi votre signe astrologique? Lion. Ah. Ah. On va pas souvent juillet, lion. Août, juillet. Août. Quel jour? Oh, eh, oh. Ah. Bon, j'ai pas demandé l'année encore. Tu veux pas le lion au téléphone? 19. Le 19, quelle année? Votre adresse? 1928. Vous faites pas d'autre adresse. Oh, bah, d'accord madame. Ah, c'est... Alors, Bélier, le climat astral vous pousse à prendre les devants côté sexe avec votre partenaire. Vous serez le mâle dominant dans votre relation et votre partenaire sera à vos pieds. Bah, franchement, j'ai toujours de la chance de... La chatte, j'ai toujours de la chatte. Taureau, dans votre vie sexuelle, les astres décident de vous donner quelques occasions sympathiques. Ne les laissez pas passer, l'une d'entre elles pourrait être intéressante pour votre futur. D'accord. C'est pas si blessant. Gémeaux, profitez donc de la bonne ambiance astrale pour réaliser tous vos fantasmes les plus secrets. C'est le moment idéal pour assouvir vos envies les plus profondes avec votre partenaire. Mmh. Oh, ouais. Avec ma partenaire. Oh, c'est nul. Hey, partenaire, ça veut pas dire ta meuf. Ah bon, bah. Bah, ok, partenaire d'accord. Partenaire de jeu. De sexe. Vous êtes tous mes partenaires de jeu aujourd'hui. Oula. On va quitter la table tout de suite. Vicky. Vicky, on vous laisse. Vicky, ramène ton cul. Ça me fait peur. Cancer. Aujourd'hui, votre charme et votre
charisme, vous offriront de nombreuses, de nombreuses portes. Faites les bons choix sans précipitation. Attention à ne pas regretter avec qui vous finirez cette soirée. Lion, répondez aux demandes de votre partenaire ou de la personne que vous aimez. Faites tout pour assouvir ses envies et ses besoins sexuels, même si cela peut être aux dépens de votre plaisir. Est-ce qu'il y a un... C'est exprès, ça, non? On regarde dans les boules avec Laura. Comment il s'appelle, monsieur Peggy? Michael. Michael, ça va être Shogun. Michael, si t'as des envies... Faudra que tu fasses à manger d'abord, hein, parce que n'est pas sûr de rentrer à l'heure. Hein. Vierge, laissez-vous surprendre par la nouveauté sous la couette, vous vous sentirez métamorphosé. Balance, manque de sommeil, fatigue, vous ne serez pas en forme pour entreprendre une nuit agitée avec votre partenaire. Repos et détente vous remettront vite sur pied. Scorpion, vous avez la fougue nécessaire pour réussir vos ébats sensuels avec votre partenaire. Vous en êtes conscient et vous en jouez envers celui-ci ou celle-ci. C'est bon. Ça dépend. Ouais. ça dépasse. Sagittaire, le vent tourne généreusement dans votre direction et vous incarnez à merveille la sensualité et la vivacité. Capricorne, aujourd'hui vous avez envie d'agir pour améliorer vos performances sexuelles. Vous dépasserez vos limites et donnerez le maximum à votre partenaire. C'est chaud aujourd'hui quand même. Verseau, aujourd'hui vous vous sentirez particulièrement en forme. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation et de ne pas être trop insistant sur vos envies sexuelles envers votre partenaire. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Qui c'est qui est Verseau? Nickel. Ça va se... Ouais. Tu connais tout le monde. Non, mais je sais pas, parce qu'elle faisait une drôle de tête, donc... Alors, les Verseaux et les Lions, ce soir, c'est... Ouais. Cadence. Les Verseaux, ils vont être très rapides. C'est son cadence. Pardon. Poisson, vous vous laissez envahir par vos obligations professionnelles et en oublier votre côté privé de vie. Attention à ne pas décevoir votre partenaire, vous pourriez subir ses foudres et être repoussé pendant un certain moment. Ah, c'est pas le donc là, les glaçons étaient fondus, hein. Visiblement. Les glaçons étaient fondus. Non. Si. Non, balance, manque de sommeil, fatigue. Vous êtes passé de Verseau à Scorpion. Oh la vache. Merci Peggy de venir nous aider à travailler parce que là... De toute façon, il n'y a pas de balance. Merci Peggy pour m'avoir balancé justement. Bah, il y a des gens qui nous écoutent bon, sur cette balance. Les balances, ils sont fatigués. C'est vrai, ils seront pas en forme, donc... Manque de sommeil. Ouais, c'est ça. C'était comme hier, balance. C'était tout claqué. Ouais, c'était tout claqué. Il y a des balances, peut-être, dans le... Non, vous êtes balance? Non. Il n'y a pas de balance. Parce qu'on s'en fout. On a une équipe technique au top qui est en train de nous enregistrer, de nous filmer. Les pauvres. Par contre, on doit trop gueuler parce qu'il est venu nous éteindre le micro en loose day, donc on doit trop parler. Fermez vos gueules. Ta gueule. Et on a des petits micro-cravates. En plus de nos micro-radios. Regardez bien comment ils bombent le torse. C'est une vidéo pour Jackie et Michel. Agnès, on entend souvent, faire attention. Non, faut pas parler de Jackie et Michel à Agnès. On peut faire les bruitages. On fera le dossier du jour. Ça, c'est mon bruit, ça. On me pique pas mon bruit. Pourquoi ton bruit? Pardon, excusez-moi, j'ai fait ça. Ça y est, t'as des bruits. Il y a un moment que tu l'as pas entendu. Putain, ouais, quand je vais l'entendre, je vais avoir chaud. Hein. Aujourd'hui, on va parler d'une association marloise. C'est ça. C'est exactement ça. Il était pas sûr. Marloise. Du coup, je vous ai mis un petit son. Parce que du coup, c'est une association où on danse. Bien sûr. Ouais. Bah non. C'est l'association Cadence à Marle, présidée par Peggy. C'est ça. Voilà. On s'ambiance? Ok, merci, allez. Ah oui, bah, ambiance, qu'est-ce que tu veux? Alors pourquoi So Cadence? Parce que c'est l'association Cadence. Oh putain, je me suis encore pris le micro. Non, c'était déjà ambiancé avant l'émission, ouais. Sur la musique, tu vois. C'est génial, c'est franchement génial. Dis-le si tu t'en fous. Hein. Non, du tout, moi je vous aime. On arrive tout de suite après les infos, la musique, et on sera avec Peggy pour parler de l'association Cadence. À tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.